Alors, je m'appelle Clémentine Duvigneault et j'ai suivi la spécialité Green à BSA, donc gestion des ressources et de l'environnement. Et je suis sortie diplômée en 2019. Alors actuellement, je suis chargée d'études végétation en ville au sein d'une structure qui s'appelle le CEREMA. C'est donc un centre d'études sur la recherche sur l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est un établissement public. Et donc je mène des études sur le réaménagement urbain, sur la renaturation en ville, la renaturation des sols et la végétalisation. Et voilà, je mène des études en rapport avec ces sujets-là. Alors, ce qui est bien dans mon poste, c'est que du coup, j'ai une partie recherche où je suis vraiment dans le développement de méthodologies, d'outils qui vont servir plus tard aux collectivités, justement, à prendre en compte que ce soit les sols dans l'aménagement urbain ou la présence de végétation dans le milieu urbain. Et donc, il y a vraiment ces deux aspects, cet aspect recherche, développement méthodologique et cet aspect très opérationnel où on donne des outils un peu aux collectivités pour qu'ils puissent appliquer du coup les méthodes. Alors Bordeaux Sciences Agro apporte pas mal de choses, notamment le fait de travailler en équipe, c'est important, surtout du coup dans les milieux urbains, on travaille avec des urbanistes, des paysagistes, des disciplines qui sont quand même assez transversales, donc ce côté-là c'est super important. Aussi des outils, des compétences vraiment techniques comme la cartographie. Moi je fais beaucoup de cartographie et c'est à BSA que j'ai été formée à faire de la carto. Par exemple. Alors moi j'ai plein d'anecdotes sur les années à l'école, c'est la rencontre de tous mes camarades, aussi l'opportunité d'aller à l'étranger, ça c'était des très bons souvenirs, j'ai fait un très très beau voyage quand je suis partie en Erasmus et globalement vraiment les trois années, il n'y a pas vraiment d'anecdotes qui se détachent mais j'en garde un très très bon souvenir.